Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Et comme une fois par mois, on s'intéresse aux Jeux Olympiques et Paralympiques vus des Vosges et par les Vosgiens. Et cette semaine, je vous propose de découvrir Mathieu Desfosses et Jérôme Imbert. Mathieu est médaillé de bronze des Jeux Paralympiques de Pékin en 2008 sur le relais 4x100 mètres, alors qu'il était guide d'un athlète malvoyant. Par la suite, il a également travaillé sur le collectif Espoir Athlétisme Handisport en amont des Jeux Olympiques de Londres et sur la détection des jeunes avec un certain Jérôme Imbert à ses côtés. Sa spécialité à lui, c'est le tennis de table. Il a vécu 3 Olympiades en tant qu'entraîneur de l'équipe de France paralympique de la discipline. Les Jeux Olympiques et Paralympiques comme aboutissement de nombreuses heures d'entraînement. Une aventure humaine dont ils vont nous parler pendant 26 minutes. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous sur le plateau. Alors tout d'abord, qu'est-ce que représentent les Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, qu'on soit sportif ou non? Mathieu, j'imagine que c'est voilà, le rendez-vous qu'on attend aussi. C'est le rendez-vous incontournable des athlètes dans le monde entier. Hein. C'est un événement qui est planétaire. Deux fois plus beau parce qu'il va avoir lieu sur le sol français cette année. Et voilà, donc les impacts, on les connaît. Et voilà, donc une belle fête en perspective. On va au-delà, c'est en France, Mathieu le disait, c'est pas que les sportifs qui vont se sentir concernés, c'est fédérateur les Jeux Olympiques et Paralympiques, Jérôme. Oui, bon, on commence à le sentir quand même depuis quelques mois, là, rien que à travers les médias. Nous, en interne également, parce qu'on sait un peu, on a encore des contacts avec tous les sportifs, mais voilà, on commence à parler de sports qu'on ne connaissait pas forcément, on s'intéresse à tout le monde, nous particulièrement dans le monde de l'handicap aussi, donc on sent qu'il y a une ferveur qui s'installe quand on est dans son pays, et c'était pour le souvenir que j'en ai en Angleterre, c'était vraiment ça, quoi. Il y avait tout un pays derrière ces sportifs, derrière l'événement en général. Ouais, bah c'est ce que j'ai ressenti, vraiment la ferveur du peuple britannique à Londres. Alors c'est vrai que c'est un des moments phares de ces dernières années. On sentait vraiment qu'il y avait tout un peuple derrière eux, et bah, j'espère que ça sera la même chose pour Paris. On verra ça justement. Est-ce que vous serez à Paris, messieurs? Alors là, on souhaite être à Paris. Ouais, oui. On va là pour l'instant, moi, professionnellement, je ne sais pas à quelle sauce j'ai de manger, donc j'attends, je mets un peu de réserve, mais forcément, je serai derrière tous les athlètes français. Que ce soit devant la télé ou voilà, dans exactement. Un stade ou quelque part. On préfère être dans le stade quand même. C'est mieux. Jérôme, vous serez à Paris? Devant la télé parce que mon fils, ça y est, il est branché. Et puis oui, parce que notamment avec des athlètes et des sportifs paralympiques, des pongistes, voilà, j'ai envie d'aller en voir certains. Et peut-être plutôt du côté des Jeux paralympiques que olympiques, parce que je crois qu'on ne va pas pouvoir tout faire non plus. Il faut choisir, d'accord. Comment on vit les Jeux quand on n'est pas athlète, qu'on est du côté des coachs, Jérôme, sur 3 Olympiades différentes? La pression est différente, mais j'imagine qu'elle est là tout de même. Oui, alors avec un petit peu de recul et un peu d'âge et un peu de bouteille, ça a été différent. Les premiers, je suis arrivé un peu là-dedans, tambour battant, j'ai tout pris. On s'était beaucoup, beaucoup entraîné, mais il y avait vraiment la jeunesse pour le groupe, pour nous, pour moi. Donc voilà, on ne s'est pas trop rendu compte. En plus, ça a très, très bien marché à Pékin, c'était 2008. Et puis au fur et à mesure, effectivement, on sent quand même qu'il y a une pression qui s'installe. Et notamment là, aujourd'hui, moi j'ai fait les derniers à Rio, mais il y a eu Tokyo. Ouais, on sent quand même que c'est une compétition qui se prépare mondialement pour toutes les équipes. Et en général, c'est lors de cette compétition-là, les athlètes ne sont jamais aussi forts que là. Donc voilà, il y a des médias. Souvent les zones mixtes, on ne sait pas ce que c'est forcément de manière aussi prégnante. Donc il y a un environnement qui est quand même pas tout à fait le même que sur les autres compétitions. Idem qu'un championnat du monde même. Et est-ce qu'on peut avoir la même relation avec les athlètes aux Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques? Est-ce qu'on a la même proximité que sur un championnat classique, j'ai envie de dire? On peut être aussi proche? Nous, en interne, oui, nécessairement. Ensuite, en externe, pas forcément. Ouais, y a des moments où, quand on est au jeu, les athlètes, ils sont dans leur zone. Ils ont un petit peu de temps pour aller voir leurs proches. Mais très rapidement, ils repartent notamment au village olympique, ce qui n'existe pas dans les autres compètes. Donc voilà, il y a tout un état d'esprit quand même à appréhender pour les Jeux qui n'est pas du tout le même que quand on est sur un championnat du monde, un championnat d'Europe par exemple. Ouais. Et entre Pékin, Londres et Rio, trois. Alors au-delà de la découverte à Pékin, ouais, c'est 3 univers, 3 pays différents, l'accueil différent, comment ça s'est passé ? Oui, à Pékin, c'était grandissime. C'était. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ça veut dire que voilà, une cérémonie d'ouverture exceptionnelle, énorme, donc il fallait déjà digérer tout ça. Mais c'est vrai que
Bon, bah, on était guidés, hein. On allait à un endroit, on repartait à un autre. Voilà, c'était vraiment la haute perf dans tout, dans l'organisation, etc. Et puis après, nous, moi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui s'est construite aussi avec nous. Donc, on a aussi appris de ces jeux et on a vécu beaucoup de ferveur à Londres avec une salle beaucoup plus petite. Mais c'était une autre, pour nous, le tennis de table, c'était une autre dimension. Et puis à Rio, par exemple, où les Brésiliens, ils chantaient pendant qu'on jouait. Donc c'était un peu particulier pour le tennis de table, parce que voilà. Mais il faut appréhender tout ça, les cultures. Voilà, en Chine, on s'est retrouvé avec des joueurs chinois qui étaient là et qui n'étaient pas forcément des joueurs et qui prenaient la raquette, hein, parce que dans les salles d'échauffement, c'était comme ça, quoi. Donc voilà, des cultures complètement différentes. Ouais. Des moments très, très sympas, j'imagine qu'on garde bien précieusement. Mathieu, vous avez pris part aux Jeux de Pékin en 2008 aux côtés de Stéphane Bozzolo, avec au bout de l'aventure une médaille de bronze sur le relais 4x100. Avant de nous décrire cette aventure, je vous propose justement qu'on commente cette course ensemble. Enfin, vous allez la commenter pour nous et on regarde tout de suite. Alors, est-ce qu'on peut nous lancer le relais 4x100? Donc, est-ce que vous vous souvenez vraiment bien de ce jour, Mathieu, de C'est cette un course? jour qui restera marqué, gravé, voilà, parce que c'était tellement surdimensionné, il y avait du monde de partout dans les tribunes. Quatre équipes, parce que forcément un guide, un athlète de couloir occupé. Donc là on voit Gauthier et puis Pasquale qui prennent le deuxième témoin, qui passe le témoin à Steph du coup, et je passe le témoin à la fin à Ronan. Donc c'était une épreuve qui était géniale, parce que la Chine a battu le record du monde devant son public. Donc la ferveur qu'il y avait et puis l'ambiance qu'il y avait dans les tribunes, c'était incroyable. Le tour d'honneur a été époustouflant aussi, le public était très joueur. Et c'est surtout que cette médaille de bronze a sauvé les jeux de pas mal de monde, parce que Stéphane n'était pas médaillé, Pasquale non plus, Ronan pareil, et Trezor non plus. Donc les quatre ont été médaillés. Et on a aussi accompagné, enfin on a été aussi amené par les remplaçants qui étaient avec nous. Donc voilà, c'était une médaille collective, c'était la plus belle des médailles, vraiment. On dit souvent hein, que la médaille sur le relais, ça montre la bonne santé d'une équipe aussi. C'est Ouais. important en ces moments, cette médaille collective. Ça a été un travail de toute une année. On a travaillé avec Georges Maizetti, qui était entraîneur avec le record du monde avec le relais 4x100 à l'époque, valide, avec Caristan, etc. Donc ce grand monsieur nous a coachés sur toute une année. Et voilà, ça a été vraiment l'aboutissement d'un travail collectif. Voilà, génial. On voit sur les images que donc vous êtes deux avec Stéphane, vous le guidez, il y a d'autres guides et puis le dernier relayeur, Ronan, court tout seul. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, pourquoi il y en a qui sont tout seuls, pourquoi d'autres sont accompagnés? Bah en fait, on avait l'obligation d'avoir au moins un athlète 11. 11, c'est non-voyant avec guide obligatoire. Après, les athlètes 12 peuvent courir, guider ou non. C'est une volonté de leur part. Et les 13, c'est non guidé. Voilà. Donc là, on passait le témoin de guide à guide, de manière à assurer la continuité du témoin. Voilà, pour éviter les hors-zones et puis comment dire, les problématiques de vision et puis de passage du témoin. Et Ronan, lui, malheureusement, il a couru seul parce que son guide s'est blessé à l'échauffement. D'accord. Donc, il s'est fait chambrer par toute l'équipe derrière, forcément. Mais voilà, Ronan, du coup, je lui ai donné le top pour qu'il parte sur les marques. Il m'a pas entendu, il y avait tellement de bruit dans les tribunes. Bon, on s'en est quand même tiré à la fin, mais voilà, ça a été chaud, chaud, chaud. Jusqu'à Jusqu'au la bout, fin. ouais. Bon, témoin est arrivé au bout avec une belle médaille de bronze. Ouais. Mais au-delà de la médaille, c'est l'aventure humaine peut-être qu'on retient, que vous retenez aujourd'hui. Ouais, c'est une aventure humaine qui est exceptionnelle, parce que ça va au-delà du lien sportif. Je vois avec Stéphane, on a vécu ensemble l'année de préparation des Jeux, l'année de qualification des Jeux, rien n'était acquis. Les séances, on les a vécues ensemble. Les échecs et les joies, on les a vécues ensemble. Donc ça dépasse le côté sportif, vraiment. Ça crée des liens qui sont indéfectibles et qui sont encore indestructibles, hein, parce qu'on est encore très amis maintenant, même avec Pasquale. Voilà, comme j'ai expliqué, c'est des choses que seule la Fédération Handisport nous apporte. Voilà. Il y a un côté collectif dans un sport individuel. C'est un peu, ouais, c'est le paradigme en fait de la Fédération Handisport, quoi. Jérôme, vous partagez ce point de vue sur le collectif, sur l'aventure humaine, au-delà de la médaille, même si la médaille forcément vient récompenser des heures et des heures d'entraînement. Hein, Oui, et puis la médaille, on ne sait jamais
à la fin si on va l'avoir ou pas. Nous, en plus, ben, des centièmes pour Mathieu. Nous, une balle qui va frôler le côté, on sait, ça se termine toujours à 9-9 à la belle. Donc voilà. C'est le chemin pour y parvenir qui est important, et le chemin sur le plan sportif, mais le chemin sur le plan humain. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une... On a monté un projet à l'époque en 2008 qui a duré 10 ans, où les joueurs venaient s'entraîner une semaine par mois sur un même lieu, en l'occurrence au départ à Étival. Et donc, ouais, on a passé des heures et des heures ensemble. Mais dans le milieu de l'handi, en plus, on sait que c'est pas entraînement, prépa physique, hôtel, c'est montage de fauteuil, démontage de fauteuil, c'est appréhender la personne au réveil si tout s'est bien passé pendant la nuit. Enfin, voilà, il y a d'autres. Il y a d'autres discussions aussi, mais oui, ouais, aventure humaine avant tout, peut-être, ouais, certainement avant tout, et puis quand ça marche bien à la fin, des joies indescriptibles. Ouais. Est-ce que le guide est médaillé comme l'athlète, Mathieu? Est-ce qu'on dit que le guide est médaillé aux Jeux paralympiques? Est-ce que vous êtes médaillé de bronze? Comment c'est classé? Comment est-ce que vous avez la même place que l'athlète? Alors à Pékin, le guide montait sur le podium, mais n'était pas médaillé. Maintenant, depuis Londres, ils ont la médaille partagée. Voilà, parce Il y en que a deux quand bon, même. oui, ouais, il y en a deux. Ouais. Enfin, il la coupe en deux sur le podium, c'est un peu archaïque. Non, non. Il y a vraiment deux médailles distinctes pour le guide et pour l'athlète parce que bah, l'un amène l'autre. Voilà. Et puis l'un n'existe pas C'est sans ça, l'autre. sans Voilà. l'autre, bien sûr. Ouais. C'est vraiment un duo, finalement, en quelque sorte. Stéphane, sans vous, n'aurait pas pu courir aux 4 x 100. Et puis, sans lui, vous n'auriez pas couru aussi, peut-être. Donc, c'est forcément. Ouais. C'est ça, c'est un lien qui est indissociable en fait. Hein. Donc là, on partage la performance. Donc forcément, On partage la médaille qui va au bout. exactement. Et le coach, est-ce qu'il partage la médaille? Est-ce qu'il le coach est médaillé? Alors, il le partage avec le cœur parce que C'est ça. il revient sans médaille, le coach. Non, on n'a pas de médaille et puis on n'est pas sur le podium. Mais enfin voilà, moi, je me suis même jamais posé cette question-là. Mais que ce soit par équipe ou en individuel, hein, voilà. De toute façon, dans le monde du tennis de table, ça a toujours été comme ça. Et quelque part, c'est vrai que c'est leur médaille. C'est quand même c'est leur médaille, quoi. Après, nous, on les accompagne. Et voilà. Là, Mathieu, c'est différent parce que bah, Ils ils font le courent, job. enfin, c'est ça, Voilà, c'est ils font un travail l'activité vraiment ensemble, quoi. ensemble. Plus récemment, Mathieu, vous avez aussi participé à la préparation des Jeux À Tokyo. de Tokyo, oui, tout à fait. Côté demi-fond, cette fois, c'est un peu plus long. expliquez-nous dans quel cadre, comment ça s'est fait. Donc, votre collaboration avec Stéphane s'est arrêtée quand? Il a arrêté quand? Bah après les Jeux de Pékin, vu que c'est des catégories et puis des épreuves peuvent sauter d'une Paralympiade à une autre, là ces épreuves ont sauté et il devait faire le triple saut. Donc du coup voilà, il est sur un autre projet et puis nous ça s'est arrêté. J'ai pris d'autres fonctions, plus dans le management et puis dans l'encadrement. Voilà du coup. Et Tokyo, oui, je me suis occupé du collectif Espoir jusqu'en 2020-2021. On m'a proposé également en parallèle m'occuper du collectif élite et des demi-fondeurs. J'ai accompagné Louis, Redouane et Renaud en espérant les amener les trois aux Jeux de Tokyo. Il n'y en a que deux, Redouane et puis Louis qui sont qualifiés. Renaud a loupé sa qualif à 2 dixièmes. Voilà. Donc, Sur lequel temps? sur le 1500 mètres. Ouais, donc c'est Ouais, il a fait forcément. 4-12 et quelques, et voilà. Mais c'était le plus jeune, et il a un bel avenir devant lui aussi. Voilà, donc une année de partage, de stage, de lieu de stage, de compétition extraordinaire. On a été à l'INSEP, on a été à droite et de gauche, on a sillonné les compétitions sur le globe, là, en Tunis, etc., pour se qualifier. Et voilà. Puis un rapport aussi avec les entraîneurs, parce que nous, on n'est que cadre technique national, donc on est là pour la haute perf, on est là pour amener les athlètes d'équipe de France au plus haut niveau et puis les coucouner jusqu'au bout. Mais le travail est fait en amont avec les entraîneurs personnels de club, mais ça ne faut pas l'oublier, ils travaillent dans l'ombre, et ceux qui font 98% du travail. Une autre approche enfin, une approche complètement différente que celle que lorsque vous avez accompagné Stéphane, parce que là on est vraiment sur la finalité finalement, en quelque sorte, peaufiner les derniers détails, apporter peut-être ce qui pourrait faire la différence. Ouais, parce qu'avec Stéphane, du coup, j'étais encore du côté athlète. Là, on part du côté staff. Voilà, c'est un placement qui est complètement différent. Le rapport à la performance est différent aussi. Mais voilà, c'est un rôle qui est tout aussi, je veux dire, prenant sur le plan personnel, parce que forcément, on est sur la mécanique de précision à la fin, quoi. Et puis voilà, un petit grain de sable peut vraiment avoir des conséquences dramatiques sur
surtout le système de rouage. Donc voilà, non, il faut vraiment être pointilleux, voilà, et à l'écoute aussi. Jérôme, on parlait tout à l'heure des différents Jeux paralympiques que vous avez vécus. Il y a toute la préparation en amont. Le tennis de table, c'est un important quand même pourvoyeur de médailles, on peut le dire. Ouais, Est-ce depuis que des pour années. autant, la vie sportive des athlètes est facilitée? Est-ce que partir en stage est facile, je mets des guillemets parce que j'imagine que c'est jamais très simple. Est-ce qu'on leur facilite la vie à ces personnes qui nous ramènent des médailles? De plus en plus, depuis quelques années, ouais, il y a eu des, ouais, il y a eu une belle avancée quand même dans le en France. Hein, il y a eu la création aussi de l'Agence nationale du sport, toute une refonte du système français. Voilà, donc pour les meilleurs, j'allais dire qu'effectivement, aujourd'hui, ça commence à devenir viable, on va, hein, et ils sont bien accompagnés. Et les meilleurs, c'est souvent ceux qui sont très proches des médailles olympiques et paralympiques, voire qui en ont déjà eu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont en formation et qui sont un petit peu derrière, ils sont encore, bon, ils doivent vraiment faire leur route et travailler avec leur propre structure et prouver quelque part déjà que ben, ça va bientôt passer pour commencer à être un peu plus aidé. Ouais. Mais bon, c'était pas du tout le cas il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Ils étaient exclusivement liés à leurs partenaires privés. Alors c'est vrai que dans le milieu du parasport, il y a beaucoup de personnes qui s'y étaient mis parce qu'ils savaient qu'il n'y avait que ça. Aujourd'hui, ils sont plus aidés. Mais bon, c'est pas évident. Et pour être dans le milieu aussi des jeunes olympiques, c'est pareil, quoi. Les plus jeunes, aujourd'hui, les tout meilleurs sont quand même bien aidés. Et ben, les autres, il faut qu'ils fassent leur preuve et c'est plus C'est difficile. plus difficile quand on Ouais. n'est pas dans les deux, Voilà. trois meilleurs. Donc des fois des arrêts parce qu'on est dans des sports, l'athlé, le ping, voilà, qui apportent pas beaucoup d'argent très rapidement. Donc ils font beaucoup de sacrifices. J'aime pas trop ce mot-là, mais quelque part oui, humains et financiers. Donc il faut qu'ils investissent, voilà, plutôt et voilà, sans trop savoir où ils vont. Ouais. Ça, on voit des images là, d'entraînement. Donc, c'était l'équipe de France. C'est primordial que les athlètes se retrouvent, partagent ces heures de stage pour créer de l'émulation aussi entre eux, même si finalement ils vont s'affronter en quelque sorte et que tous ne seront peut-être pas qualifiés, mais c'est important quand même. Ouais, bah c'est l'énergie. L'énergie part du collectif, toujours. Pour être clair, nous, là, on a une activité individuelle et on avait basé beaucoup de choses sur le collectif. Et c'est vrai que de plus en plus, on a aussi rebasé notre état d'esprit sur de l'individuel. Et je pense qu'à un moment donné, faut dire les choses clairement. Et moi, j'en ai fait partie. Je pense que faut pas oublier que l'énergie est. La solidarité derrière, mais l'énergie part du collectif et que il faut se retrouver, il faut partager, il faut discuter. Et on a beau faire des séances extraordinaires seul dans son coin, à un moment donné, ça remplace pas ce. Bah, alors que ce soit en stage ou ailleurs, mais effectivement, faut se retrouver. Ouais. Mathieu, vous partagez ce point de vue, le collectif, le partage entre athlètes? C'est hyper important, et même la transmission. Parce que là, on parlait aussi, on a un point commun, c'est qu'on a travaillé sur les jeunes. Et là, toute la fierté aussi du travail fourni, c'est que moi, je vois les gamins que j'ai vus arriver à 14-15 ans. Et on faisait du bidouillage au niveau de l'appareillage, on prenait déjà la mesure du haut niveau. Et maintenant, ces enfants-là qu'on a accompagnés, à qui on a transmis des choses, qui ont pris aussi des choses des autres, des grands, hein, on va dire. Maintenant, bah, c'est eux qu'on va voir sur Paris, qu'on va suivre. Donc, c'est vrai que c'est une importance vraiment primordiale, la bienveillance, en fait, entre athlètes et puis entre staff aussi. Pareil, voilà, c'est. Oui, et puis sur le plan motivationnel, on se rend compte, alors c'est des fois on s'en rend compte après, mais ils sont demandeurs ils sont demandeurs de ça. Bah, quelque part, au départ, c'est tout beau, tout neuf de travailler l'individualisation avec les uns, on va toujours plus loin, mais à un moment donné, il y a quelquefois y a la notion du sens et la perte de motivation. Donc, ouais, aujourd'hui, je préconiserais d'avoir régulièrement ces moments-là, quoi. Le collectif pour avancer. Ouais, de se retrouver, ouais. Est-ce qu'en France, quel est votre point de vue sur la détection? Est-ce qu'on détecte trop tard? Est-ce qu'on a les moyens de détecter suffisamment tôt par rapport à certains autres pays qui peut-être ne mettent pas les mêmes moyens sur ça?
Disons, forcément, on habite à un beau pays, on a quand même pas mal d'avantages, on va le dire. Je vois les détections par rapport en Angleterre, quand ils ont mis le paquet sur les Jeux de Londres, on a Jeux de vu Londres. les moyens qui ont explosé littéralement. Moi, j'ai un peu d'amertume encore sur la détection, parce que j'aurais bien voulu aller pousser un petit peu la chose dans les dom-toms. Parce qu'on a quand même pour l'athlée, hein, je parle, Bien hein, sûr, ouais. voilà, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, quand même, c'est des terres d'athlées exceptionnelles. Et je pense qu'on a quand même encore un gros travail à faire sur la détection. Et voilà, on commence à être meilleur, parce qu'il y a de plus en plus de communication autour de la pratique. Les correspondants régionaux, parce qu'il y a quand même des régions en e-sport qui font un très gros travail, hein, avec Samy El-Guedari qui gérait justement tout ce petit monde-là. Donc forcément, plus les acteurs se multiplient, plus les actions se multiplient, plus il y a de la visibilité dans les chemins de sélection, de détection également. Voilà. Mais il y a encore une marche. On voit, vous parliez de Londres qui avait mis le paquet avant les Jeux. Ça a payé. Il y a eu les Anglais ont fait beaucoup de médailles à Londres. Alors, on pourrait parler de l'athlé, mais dans les autres sports aussi. Donc finalement, est-ce on s'est pas raté quelque part pour Paris? Est-ce qu'on a vraiment mis les moyens d'amener et d'avoir beaucoup de médailles à Paris, Jérôme? Ouais, bah, c'est vrai que nous on a senti que. Merci, c'est gentil, mais en plus, c'est aucun problème. C'est qu'on a senti quand même cet engouement qu'on n'avait pas connu chez les Anglais. Après, c'était une nation, pour le handi, qui était relativement jeune dans certaines activités, enfin, dans certaines disciplines par rapport à nous. Nous, on est une nation qui a toujours performé quand même, que ce soit en athlé ou ping ailleurs. Voilà. Et il y a eu une effervescence comme ça, mais ils s'y sont pris réellement 5, 7, 8 ans avant, voire 10 pour l'olympisme. Donc ça, voilà. Et ils ont fait des choix forts. Ça veut dire qu'effectivement, ils ont fait le choix de l'individualisation à un moment donné avec un nouveau système. Mais ils sont aussi allés sur la jeunesse, et on a vu des jeunes arriver. Hein, voilà, donc ils ont mis un vrai système. Je sais qu'aujourd'hui, ils sont encore là-dessus, et ils ont clairement leurs différents groupes, et ils investissent beaucoup sur la jeunesse. Nous, dans le milieu de l'handi, c'est pas si évident que ça. On a un peu tâtonné. C'est bien, parce qu'on a ouvert le monde de l'handi à beaucoup de gens. Après, dans les choix... les choix vraiment forts, c'est des fois on a pris un peu de temps, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est parti, mais voilà, on a mis un peu de temps. J'ai pas mal, on Ouais. est parti. C'est plutôt une bonne Bien chose. parti, c'est bien Qu'est-ce parti. que vous attendez de ces Jeux Olympiques et Paris, sportivement parlant? Qu'est-ce que vous allez suivre de près? Alors, bon, l'athlète, le tennis de table, j'imagine. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que vous attendez, Mathieu? Forcément, moi je suis athlée, pro-athlée, voilà. J'espère vraiment que ça va donner de l'élan à la pratique. On parle comment dire, de dédramatiser le handicap. Là, je pense que maintenant, ça commence à devenir quasi automatique. Voilà, mais j'espère que ces jeunes-là, bah, vont se révéler au grand public et devant leur famille. C'est tout ce que je leur souhaite. Que les anciens également arrive à obtenir le plus beau des métaux, des métals, voilà. Bref, je La mélange. plus belle des médailles. La plus belle des médailles. Et voilà, puis au niveau français, voilà, au niveau de l'impact que ça peut avoir sur le pays, voilà, c'est belle visibilité. Et puis bah, forcément, d'ailleurs, que ça pousse les enfants à pratiquer, et les familles aussi à faire pratiquer. Voilà, mettre le sport au centre du débat. On parle beaucoup hein, de l'héritage de Paris 2024. Jérôme, on espère des retombées forcément dans les clubs après Paris, que ce soit en Olympique ou en Paralympique. Hein, Oui, olympique, paralympique, dans les clubs. Aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a de l'évolution. Hein. Nous, rien que dans les Vosges, autant on s'est occupé de l'équipe de France, notamment Étival, et on n'avait jamais eu des locaux à personnes en handicap. Souvent, ils avaient plus tendance à rester un peu chez eux et à pas trop sortir. Aujourd'hui, il y a deux personnes qui pratiquent, alors à une demi-heure de là, en plus. Donc ça veut dire que ça commence à bouger. À l'école aussi, en espérant que c'est vrai que ce soit de plus en plus, parce que je pense qu'on est un peu en retard, et puis les enfants sont demandeurs. Moi, j'ai des enfants qui ont aussi Bien de sûr. voilà qui sont demandeurs, donc voilà. Et puis cette petite exigence qui fait qu'à un moment donné, le sport, ça amène des valeurs, et puis ça amène aussi une forme d'exigence de la vie de tous les jours. Donc voilà, il y a des beaux exemples à suivre, donc j'espère que ça va participer à ça, ouais.
Ben rendez-vous mi-septembre, alors après les Jeux paras, pour faire le point. Ouais, Merci bon. Beaucoup, messieurs, d'avoir été avec Merci. Nous en plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges TV. À bientôt.